Bonsoir, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait des soul réécritures. Pour aller sur mon Xalor au PVP, on va chercher un jet dommage sort. Exo dommage au sort. Et idéalement, il me faudrait un PO sur l'item, mais on va se calmer. On va déjà essayer de faire un beau truc dommage sort, ce sera déjà un bon début. Alors, il y a plusieurs problèmes sur l'item. C'est un item à plus PM, heureusement, mais il y a beaucoup de lignes très lourdes, notamment 500 vitalité, double 80 stats. 50 sagesse, c'est vraiment pas évident en termes de congruence surtout. En termes de vitalité, bon bah si le PM saute quand les congruences sont mauvaises, on ne peut absolument rien faire. Bon, là on peut aller chercher les 591, 491 pardon. Ça reste acceptable, mais c'est pas terrible terrible. On va voir comment on fait le truc. Ce que je faisais là sur la gestion du FM, c'est que j'essayais de laisser la vita autour de 400 et la sagesse en dessous de 40 pour pouvoir mettre de la Rasa. Malheureusement, j'avais quasiment atteint le G-perf en me baladant sur l'item, et donc là ça saute et les lignes sont un peu trop hautes. On va voir quand même ce qu'on peut en faire. On va commencer direct par. Alors j'hésite. Soit double rachat. En vrai, je vais double rachat. On va y aller ambitieux. Ok, moins 40. C'était pour faire ça dans l'idée. Ok, bah c'est nul. Ensuite, l'intel. On va mettre Painé deux fois, moins 9, Rainé moins 10. Et on va taper le puits très très vite. Hein. Hop. Après en soi le reste est pas trop mal, mais bon, la Ravie qui crit évidemment. Il nous faut les petites répoux, moins 2, moins 6, moins 2. Votre épée A. Moins 14. Et ben, il reste 2. Petit problème de sagesse là. On n'a pas le PM. Le PM qui saute avec la vita à 456. Bah oui. Hein. Alors que c'est à 455 qu'on peut faire le du perf. Ça régale. 84 de puits. Bon là, je prends mon temps. J'ai été attentif à toujours maintenir la sagesse en dessous de 40 et la vita en dessous de 400 et quelques. Enfin, en dessous de 405 la vita en fait. Là, on est à 374. Alors, la question c'est jusqu'où on peut passer des pavis. Normalement, pavis ça arrête de passer vers 300. Mais sur un item à 500 max, on peut tenter des pavis un peu plus haut. Là, le plan c'est de monter à 404 à la pavie, 504 ensuite à la ravie et de baisser à 499. J'ai jamais douté. Moins 9, 1, 2, moins 20. C'est juste une masterclass qui est proposée ici. On va mettre la petite rune. On n'a pas une petite rune faux qui traîne? Mais bien sûr qu'aussi qu'on a des runes faux. Hop là, le chat qui me dit bonne chance pour la vita, bah voilà, CQFD. On récupère. On va mettre une petite passage, je pense. Ok, ça ne crit pas malheureusement, moins 8. Bon, comment on est là? On a un petit souci d'intel et il me reste 47. Ah! Là, c'est le moment où il fallait écrire fièrement. Bah, dommage. C'était bien tenté quand même, on n'était pas loin. Pas de PM. On se démoralise pas, on continue, on va la voir. Bon, la vita, la vita, la vita. Elle n'a pas eu le temps de rebaisser depuis le dernier puits. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on l'accepte comme ça, mais c'est quand même 13 manquants, c'est chaud. Soit on bourrine les paddy comme un animal. Est-ce qu'on a un animal? Moi un animal? Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Non mais il y avait un monde où en fait ça passait direct en crit et après on faisait un truc stylé. Mais. Ah! C'est fine, c'est fine. On continue. 85 de puits. Les congruences sont plutôt bien là. On va bien tomber pour la vita, ce qui est assez inespéré. On va mettre tout de suite une petite ravie qui passe évidemment en crit. Par achat. Nice. Ça se présente très bien. On va espérer que ça continue comme ça. Ok, on récupère pas malheureusement ici. La rainée. Moins 30. Ok, ça picote un peu, mais ça reste gérable. On récupère toujours pas. Petite rune force qui passe. Moins 1, moins 3. Hop. Il n'y a plus tant de choses que ça à rattraper. Moins 18. Aïe aïe aïe. Ça va être short.
Il me reste 19. Ok, il faut les deux en succès neutre et le crit rasa. Pas de PM. 80 de puits. Bon, ça va être un peu compliqué, mais bon. En fait, il faudrait passer une passa directe. Elles sont pas faciles à mettre au-dessus de 45. La Vita, on va dire que ça ira. Il nous faut la chance à 85. Ouf. On n'a plus de puits. Et pas de PM. 84,2 de puits. On n'est pas trop mal là, il faut une pavie. Double ravi. Bon, au moins les ravis passent bien. Hein. On peut se consoler comme ça. Bon, pour les stats, ça va pas être simple. Après, le reste de l'item est assez haut. Hein. En vrai, il me faut une painée. Moins 9. Est-ce que ça peut encore le faire? Il faut absolument que ça passe bien. Là. Moins 30. Aïe, le puits négatif, let's go. C'est compliqué là. Même en visant sur un crit Rasa, il y a tellement de grosses lignes, c'est pas simple, mais on se décourage pas, on continue. 87,3 de puits. Bon, il faut passer la pavie. Et on a une très belle tenta potentielle là. Nice! Oh, les doubles. Elle est incroyable cette tenta. C'est peut-être la tenta qu'on attendait tous. Objectivement, j'ai trollé, j'aurais pu commencer par l'intel, mais c'est pas grave. Il faut passer les grosses runes. Mais les crits me régalent. Moins 9. Moins 20. Allez, allez, allez. On récupère. Moins 20. Aïe. Ok. Ok. Reste 20. Bon là le plan c'est PM Rasa. Et après on part en dommage sort. Pas de PM. 80 de puits, très bonne congruence, mais bon bah comme d'hab il va falloir que ça se passe bien. La pavie, allez on y croit. Moins 6. En vrai elle passe bien, elle passe bien. Moins 30. Bon. Sur un, tout va jouer sur du crit Rasa. Hein. Je pensais qu'on pourrait peut-être le faire sans crit Rasa, mais je crois que le crit Rasa va être indispensable. On va pas iner, j'ai moins 2. Moins 6. Là, si ça me troll pas trop, il y a peut-être moyen. Oh bah oui. Allez, hein. 83 depuis. L'attentat est potentiellement intéressante. Ça peut faire un truc stylé. Il nous faut les rastats. Moins 10. La repo qui récupère peut-être? Non. Les deux over qui passent instantanément, ça fait très plaisir. Les repo qui passent également. On va mettre la petite passa maintenant. Pas de crit, moins 9. Moins 6. Moins 6. Eh, 42. Il nous faut les ravis. Moins 10. Et je peux même passer la sagesse en crit. En neutre, je veux dire. En neutre, c'est très très sympa potentiellement là. Est-ce qu'on a la Rasa? J'en ai jamais douté. Il reste deux de puits là-dessus. Deux de puits, c'est quoi? C'est potentiellement un crit. Pas de crit, ok. Si j'avais crit, j'aurais pu tenter une rune sagesse. Mais écoutez, on est sur un sacré G quand même là. Hein. On est plutôt sur un sacré G. Si on a le PM là-dessus, je suis très très content. Ça prend une rune trans. C'est vraiment magnifique. Sur cet item, franchement, moins 1 vita, moins 2 sagesse. On est content, quoi. Est-ce qu'on a le PM, les amis? Dernière rune PM que j'ai en plus. On n'a pas le PM. Bon, je suis un peu abattu. J'ai mis la ravie qu'il fallait pas mettre. Et évidemment, le PM saute direct après. Donc là, il n'y a qu'un truc à faire, c'est de crit une pavie. Crit au succès neutre, hein, mais oui, ça peut encore passer à ce stade. Bon, moins 15, ça va, on s'en sort pas trop mal, mais j'ai un peu abusé. Le crit, par contre, là, qui met bien. Ça va, ça va.
Ok. On va mettre Painé. Moins 5. Rainé. Moins 20. On enlève l'over comme ça. On va faire double pacha. Moins 12. La racha, moins 10. Le petit crit. Oh! Oui, normalement celle-là elle est censée bien passer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 20, bah super. Reste 6 là-dessus. C'est deux temps tape à vie. J'ai rien dit. PM et Rasa, c'est le plan. PM, est-ce qu'on a le crit Rasa les amis? Dans le cas, ça nous ferait un joli G. On n'a pas le crit Rasa, on continue. Bah la Vita une fois de plus, hein. Bah, il nous faut triple pavi. On verra si elles sont timides ou pas. Ah! Bah yes, hein. J'ai la flemme de compter en vrai. On va mettre Ravi. On va y aller comme un bourrin, ça va très très bien se passer. On va mettre double rachat. On va mettre des grosses runes là, ça bon, j'ai compris. Voilà. 87 depuis. Ça se présente plutôt bien sur celui-ci. On va go rachat direct. Moins 10. J'ai été attentif à bien gérer les valeurs de Vita et de Sagesse. Il nous faut 2 pavis. Moins 12, c'est tout à fait correct. Petite ravie. Elle est deuxième. Oh bah non, pas maintenant! Oh là 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 là, pour une fois que j'en ai un qui est bien. Bon, je sens qu'on n'a pas fini avec cet item. Hein. Bah, c'est dead. Hein. Dommage. La Ravi qui troll, sinon les lignes étaient vraiment bien là. 82 depuis. Bon, on va forcer la pavie. Ok, moins 6. On va mettre. En vrai, j'aurais limite pu commencer par la chance, mais. Ouais, non, c'est bien. On va mettre tout de suite 2 pachas. Moins 3. Les lignes sont plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon, là, on va y aller à la passa. Des fois, je mets une Rasa quand je gère l'item parce que toutes les lignes sont maxées. On va pas iner. Moins 12. Ok, il faut double rachat. Moins 20. C'est là qu'il faut que ça passe assez bien. Et après, il n'y aura plus grand-chose à gérer. Hein. La Rainée qui passe direct, ça fait très plaisir. Ok, allez, double ravi. Le crit qui régale. Nice! Bon, ça se passe un peu mieux que celle d'avant. La rafo. Enfin, la rune faux, pardon. Bah, il n'y a plus grand-chose à gérer, là. Hein. C'est... On va mettre une répoue. Une par répoue. Oh, le double crit. Esquive PM, moins 6. Il me reste 15. Allez, j'ai une tenta passa. Il faudrait vraiment que la passa, elle passe. Dommage. Il me reste 6 du coup. 6 et 2 tentes à sagesse. J'ai rien d'autre à faire. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On n'a pas le PM. 88 depuis. On va pouvoir y aller. Double painé. Moins 6. Double ravi. Moins 10. Ok, ça commence plutôt bien. On n'aura pas mieux que moins 7 vita, hein, mais ce serait correct. Est-ce qu'on va chercher... J'hésite, est-ce que je monte à 86 de chance ou pas? En vrai, non, on va y aller tranquille comme ça. J'espère que je... Oh, le misclick, c'est catastrophique. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Oh, le misclick me tabasse. Ça va. C'est dur. Hein. Plus de puits. Bon, là, on a une tenta intéressante. On est très haut sur le G. J'avais passé une Rasa juste avant parce que le G était maxé. Malheureusement, la Vita, là, elle est pas terrible. Il va falloir qu'on aille chercher les 392. Et on ne pourra pas avoir mieux que 492, malheureusement. On ne pourra pas faire mieux que ça. Ça me fait donc moins 21 là-dessus. J'aurais dû commencer par une Rainée, objectivement.
J'ai fait une bêtise. C'est pas grave, tant pis. On va go ravi, x2, moins 20. Bon, si les over passent assez vite, là le G est vraiment au top du top hein, sur le reste. Moins 20. Allez, on aura deux tentas pour l'intel. Nice. Ouais. 13 restants. La passa, si elle pouvait passer, ce serait incroyable. Dommage. Moins 6, il me reste 7. On va essayer de créer une raie neutre et de gagner une tenta passa. Dommage. Il me reste 5. Je peux encore tenter de créer une rune tacle. Je vérifie qu'il n'y en a pas sur l'item. Non. Je peux créer une rune tacle et gagner une tenta passa. Non, il me reste 1. 0. On a le PM là-dessus. Bon. On n'est pas sur le G que je voulais. On est un peu trop bas, il manque une passa. Avec une passa, ce serait fine, mais. L'avantage sur ce genre d'item, c'est que certes, c'est un peu bourbier à faire, mais c'est un item très méta qui est très recherché, qui est joué dans beaucoup de modes. Donc en fait, je peux me permettre d'accepter des jeux comme ça, et dès que j'en vends un meilleur, je le tryhard, celui-là, je le revends en faisant une plus-value, en fait. C'est vraiment l'intérêt de ce genre d'item. Donc je pense que je vais juste trans ça en Dodi. C'est pas au niveau d'exigence que j'aurais voulu, voilà, il me manquait. J'aurais voulu 496 Vitamini et 48 Sagesse Mini. Bon, on a eu quelques belles tentas, pas de regrets, ça va. C'est un petit peu pénible à faire, mais c'est pas non plus ingérable. Alors en revanche, je comptais sur le fait qu'il y a un PM pour faire des tentas à dommage distance PO sur le plus PM. Je me rends compte que c'est quand même très compliqué. Mais bon, avec du tryhard éventuellement. On va s'arrêter là-dessus pour cette session, ce sera bien. Hop, petit dommage distance, ça ira sûrement Xelor. Et puis voilà, on en refera certainement bientôt pour essayer d'avoir un plus gros jet. Et puis celui-là, je le revendrai sans aucun souci. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance pour un abonné, dommage sort sur un champ du nécromant, moins de vita, moins de chance, moins de agilité. Hop, magnifique.